barre asymétrique, donc c'est deux barres parallèles, une petite et une grande. Ensuite, l'écartement, il est en fonction de chaque gymnaste. Plus on est grande, plus les barres vont être écartées. En général, l'écartement est quand même assez fixe en compétition internationale. On a juste le droit de faire une dérogation sur la hauteur des barres. Lorsqu'on a une taille assez élevée, on peut demander à surélever la barre. Après, c'est un agrès entre guillemets de force, ce qui demande pas mal de musculature au niveau des bras, aussi au niveau des abdos. Il faut savoir réceptionner, donc ça utilise aussi un petit peu les jambes à la réception. Un adjectif qui pourrait qualifier les barres, ce serait la tonicité et en même temps la sérénité sur les barres. Un échauffement type avant une compétition, avant des mouvements à l'agrès, ce serait une série de tours proches en petite barre et une série de soleil en grande barre. Et après, je monte cache sur la barre. Alors, c'est Jacques Def qui a inventé cette figure, donc d'où le nom le Def. C'est un salto avec une vrille ennemie et rattraper la barre. De nombreuses gyms l'ont fait, beaucoup de françaises notamment, Isabelle Severino, Emilie Pénèque et plein d'autres. Je l'ai appris il y a 4 ans et demi à peu près. Je l'ai mis en compète pour la première fois à Liévin. C'est un élément que j'aime particulièrement, c'est une sensation assez particulière, lâcher la barre, tourner et rattraper. Après, quand on le réussit, on va dire qu'on a un certain baume au cœur parce que c'est un élément qui a une grosse difficulté. Pour le def, faudrait savoir faire déjà le ginger et ensuite échappe vrille ennemie et après, bah, voilà, faut se lancer. Faut oser le faire quand même. Pas forcément peur du risque, mais faut se lancer pour découvrir les sensations et après c'est le corps qui va guider. Pour se lancer sur les barres, un petit conseil, avoir confiance en soi, essayer des nouveautés, plein de nouvelles choses et découvrir les figures qui appartiennent à chacun, quoi.